Cynthia Lulave, qui est conseillère pour la ville de Westmount. Elle a été également coprésidente du comité directeur des questions de voisinage des lignes de chemin de fer de la Fédération canadienne des municipalités lors de la création de l'organisme en 2003. Et maintenant, elle est, depuis 2007, directrice de projet pour l'initiative de voisinage, donc pour le compte de la Fédération canadienne des municipalités et de l'Association des chemins de fer du Canada. Vous comprenez pourquoi elle était en tête de liste de nos invités. Si on résume ce qu'elle cherche à faire dans la vie, avec des cadres supérieurs, donc des voies de chemin de fer et les élus municipaux, elle cherche des solutions aux problèmes de voisinage des voies ferrées. Madame Lulam, bonjour. Près d'elle, M. Christian Tifaut. Christian Tifaut pratique depuis 30 ans en architecture et en design urbain. Il a travaillé pendant 10 ans à la Ville de Montréal, à la division des projets publics. C'est quelqu'un qui connaît très bien ce que ça veut dire un PPU. Il a son atelier Christian Tifaut depuis 13 ans, où il fait souvent des études préparatoires à des PPU, boulevard Saint-Laurent, et il habite dans le Grand Plateau. Et il faut souligner aussi que M. Tifaut est professeur invité à la maîtrise en design urbain définissant à l'Université de Montréal depuis 7 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît à la fois le secteur public et l'entreprise privée et qui a ses deux compétences en architecture et en design urbain. Alors, je suis sûre que le secteur plateau-est avait de quoi vous amuser. Je n'en doute pas. Merci, M. Tifaut. M. Richard Schirmer, qui est professeur d'économie urbaine et régionale à l'École d'urbanisme de McGill. Pendant 14 ans, il a été professeur à l'INRS d'urbanisation, culture et société. Et ses recherches portent souvent sur la localisation des activités économiques et la façon dont les entreprises s'adaptent à leur environnement, aux échelles métropolitaines, régionales et nationales. Il a plus d'une centaine d'articles scientifiques à son crédit. Et par ailleurs, dans ses temps de loisirs, il est éditeur de la revue internationale de géographie urbaine, Urban Geography. Donc, la première question, bonjour Monsieur Schirmer, c'est Madame Lulam qui est la première à subir l'épreuve du 10 minutes. Et la question qu'on lui a adressée a été celle-ci. Dites-nous quelles sont les possibilités et les contraintes d'aménagement en bordure d'une voie ferrée, comme celle qui sépare les arrondissements du plateau Mont-Royal et Rosemont-la-Petite-Patrie. Et vous avez 10 minutes bien comptées. Madame Lulam, c'est à vous. Et pour changer, il y a ce petit bidule et on a une hélice qui arrive. Ça a l'air de très bien fonctionner. Vous l'avez déjà bien dans votre main. Alors, bonjour. Un objectif clé de cette présentation-ci est de vous donner un aperçu de nos lignes, nouvelles lignes directrices qui sont applicables au nouveau aménagement à proximité des activités ferroviaires. Ces nouvelles lignes directrices se basent sur notre rapport final de l'année 2004. Les principales questions du voisinage sont bruit, vibration, sécurité et intrusion, blocage et état des passages nouveaux, et l'utilisation du sifflet. Ici, on voit le carte de les chemins de fer autour de l'Amérique. Le comité de directeurs et quatre groupes de travail à représentation égale entre les municipalités et les chemins de fer de partout du Canada. C'est notre comité directeur. Les trois grands objectifs du protocole de l'entente, c'est
renforcer et sensibiliser parmi les entrepreneurs au sein de chemins de fer, des municipalités et des secteurs en développement à l'égard de besoins d'une planification et une gestion efficace au voisinage chemin de fer et municipalité. Élaborer les lignes directrices sur le voisinage qui sont comprises de tout et offrent des orientations depuis la phase de planification jusqu'à la construction et l'occupation. Et établir pour le cadre local et des résolutions, des critères et des jalons d'évaluation utilisés par les parties lorsque des problèmes de voisinage, chemin de fer et municipalité existent. Et il y en a toujours. Ah oui. Il y en a toujours. Pourquoi ces lignes directrices? Nous avons besoin de systèmes de planification qui anticipent et génèrent plus efficacement les questions du voisinage de façon à faciliter davantage la croissance des municipalités et les chemins de fer. Une bonne planification contribue à l'efficacité des systèmes de transport et à la prévention des problèmes de sécurité, du bruit et de vibration. Les plus grands plaintes qu'on a des citoyens autour du Canada, c'est vibration et du bruit. Mais sécurité, les gens ne pensent pas trop à ça. Après Lac-Mégantic, ils sont beaucoup plus ouverts. Conscients de ça. Oui. Il n'y a pas d'examen global ou cohérent de l'aménagement. Les politiques, les règlements et les approches qu'on utilise en vue de prendre des décisions en matière d'utilisation du sol ou intervenant des questions de voisinage avec les chemins de fer varie grandement d'une municipalité à l'autre, dont la plupart des cas ne sont pas suffisamment détaillés. En particulier, il existe un besoin pour un nouveau processus d'aménagement qui traite expressément des projets d'aménagement résidentiel, surtout ceux comprenant une conversion de terrain à l'usage commercial ou industriel ou ceux qui seront situés sur des terrains intercalaires réduits. Voilà qu'est-ce qui existe le plus tôt dedans. Et voilà avec nos lignes directrices. Ça, c'est une belle banlieue à Toronto. Mais c'était nouveau à le temps de la photo, c'est 2008. Et ça, ce qu'on voit là-bas, est-ce que c'est un mur ou c'est des usines? C'est une clôture de sécurité. Ah, c'est la clôture de sécurité. Il y a des maisons après. Il y a trois types de construction qu'on couvre dans les lignes directrices. Les nouveaux lotissements, un terrain qui n'a jamais été utilisé et où il n'est pas nécessaire de démolir ou reconstruire des structures existantes. En anglais, c'est greenfield. Des constructions, mais moi je dis le mot très mal, intercalaires, utilisation d'un terrain dans une zone bâtie dans le but de construction, en particulier lors d'un réaménagement de la collectivité, et conversion. Des anciens immeubles industriels ou commerciaux qui sont convertis en immeubles résidentiels. Et dans votre quartier, vous avez les trois. Mm-hmm. Alors, les mesures d'atténuation courante sont souhaitables à titre d'exigé minimal pour réduire les questions d'incompatibilité associées avec la localisation du nouveau aménagement à proximité des corridors ferroviaires. Ici, ça, c'est notre mesure pour les nouveau lotissement. La marge de recul crée une distance de séparation et contribue à atténuer l'impact potentiel des incidents ferroviaires ainsi que le bruit et la vibration. Alors on voit qu'il y a une marge de recul de 30 mètres et il y a un berme et il y a une clôture de sécurité. On voit que aussi on peut utiliser les évacuations des fondations pour créer le berme. Alors, dans un endroit où il y a la possibilité d'avoir le recul, ça c'est le modèle qu'on recommande. On a plusieurs villes autour du Canada qui ont adopté nos recommandations. Un problème que j'ai, c'est qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas adopté le berme. Et le recul sans le berme, ce n'est pas sécuritaire. Alors, le berme, c'est vraiment le petit monticule. Oui. Et qui est toujours surmonté d'un mur. Oui, la berme de terre peut assurer une protection contre les éléments matériels d'un dérèglement en combinaison avec la marge de recul et atténuer le bruit des roues de les rails
Et de plus, elle réduit la hauteur de l'écoute d'un écran acoustique et permet une réutilisation efficace pour l'évacuation des fondations. Pour les aménagements intercalaires et en conversion, il est possible d'éloigner davantage les résidences de la source sonore en ayant recours à un podium qui peut intégrer un mur d'anticollision, réserver des rez-de-chaussée à des usages non résidentiels comme des garages de stationnement ou des endroits pour récréation, des places qu'on ne vive pas, et ça contribue à la sécurité. Alors, pour des densifications qui sont à proximité, ça c'est notre recommandation, avec le stationnement sur un podium en avant, ça vous donne le 30 mètres et il y a le mur de protection. Mm-hmm. Et le mur de protection, ça fonctionne aussi pour, comme un mur pour le son. Pour éviter les impacts sonores, et on peut avoir aussi les orientations et l'emplacement des immeubles. Des façons les plus économiques de réduire les effets favorables de bruit favorable et de recourir à une marge de recul, l'augmenter la distance entre la source de bruit et des aires sensibles au bruit. Dans un aménagement en zone verte, on peut faire celui en servant des résultats d'une étude d'impact sonore pour situer les immeubles à un écart de corridor favorable. Dans un aménagement intercalaire ou en corrosion, les pièces sensibles au bruit, comme les chambres à coucher, devraient être situées sur le côté silencieux de l'immeuble. Et de le faire construire sur un podium et de placer au rez-de-chaussée des espaces pour le conditionnement physique et le garage ou un garage. Sur le plan acoustique, les fenêtres comptent parmi les éléments faibles et la façade d'un immeuble. Par conséquent, réduire un minimum de nombre de portes et fenêtres sur le côté bruyant d'un immeuble peut aider à diminuer l'intrusion sonore aussi. Il y a un système de classement selon l'indice de transmission de son, ETC, et un outil précieux qui permet de compter la réduction sonore autorisée par différents types de fenêtres. Quand on évalue la puissance d'atténuation, les portes vitrées devraient ne pas être considérées comme des fenêtres. Des balcons de côté bruyant devraient être fermés. Et les façades doivent être construites dans une maçonnerie en béton ou une autre forme de mur épais pour tous les immeubles à construire à proximité des corridors. De par sa nature, le bruit favorable est propre au site. Son niveau et son impact sur tout l'emplacement donné devraient être évalués avec précision par un consultant qualifié en acoustique dans le cadre d'une étude d'impact sonore. L'objectif d'une telle étude est d'évaluer l'impact de toutes les sources sonores et de déterminer le plan d'aménagement et la conception qui convient aussi que les mesures de contrôle décrites. Le rapport contient des tableaux de zones d'influence sonore minimale relatives au type de corridor ou de l'activité favorable. Les mesures d'atténuation de la vibration sont très coûteuses et, par conséquent, mieux adaptées aux aménagements plus importants qui présentent de plus grandes économies d'échelle. L'utilisation des marges de recul est l'outil le plus économique. Ça, c'est notre page site web, il est bilingue, un en anglais, un en français. Un lien vers les nouvelles lignes directrices est mis en évidence sur la page d'ouverture, c'est sur le côté droit, la petite boîte rouge. Alors, le document, on peut le chercher là. Parfait. Merci beaucoup, Madame Loulam. Je vais... Merci.